Robert Mécaron, nous sommes sur notre stand, nous sommes au salon de Rambouillet. Une année particulière pour Robert Mécaron, voilà de votre anniversaire. Vous sortez pour la première année de carabine à comprimer. Il y a de plus en plus de chasseurs et surtout nos chasseurs qui pratiquent l'airsoft. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces nouveaux modèles? Donc ces carabines à air donc, qui portent le nom VCR, hein, Vernet Caron Air, vous remarquez la recherche dans le nom. Donc on propose une gamme de 3 carabines pour cette année. D'accord. Donc 2 carabines à crosse en polymère, oui, et une carabine à crosse bois. Toutes ces carabines sont en dessous de 20 joules, sont en calibre 4,5 mm, d'accord, ont une longueur de 115 au total de 115 cm, ouais, et un canon de 45. Ouais. Elles ont des organes de visée donc à fibre optique, ouais, et des freins de bouche. D'accord. Quand on dit 20 joules, ça veut dire que n'importe qui peut se procurer. Oui, voilà, 20 joules, on est dans la réglementation qui a une limite à 20 joules qui change la réglementation. D'accord. On a une crosse aussi polymère trou de pouce, ouais, une crosse classique et une crosse bois classique. La carabine à crosse bois a un levier d'armement. D'accord. D'accord. Et alors là, cette année, ceux qui ont envie de soit les tester, soit de s'en procurer, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Comme pour toutes nos armes, donc il faut qu'ils aillent voir leur armurier et qu'ils leur demandent. Donc soit les armuriers l'ont en stock, soit ils nous passent une commande et on livrera très rapidement. Alors pourquoi la décision de Vernet Caron cette année On essaye toujours d'étendre notre gamme dans des armes parallèles à notre fabrication. Donc là, elles ne sont pas fabriquées par nous, elles sont fabriquées pour nous selon notre demande. D'accord. On cherchait à être présent sur ce marché aussi. On l'avait été il y a quelques années avec d'autres armes. Ça n'avait pas. On avait dû arrêter et ouais, là on revient, on pense avec des modèles qui plairont. En plus, l'évolution de la réglementation avec les 20 joules permet d'avoir des armes qui sont d'une puissance suffisante, oui, tout en étant assez simple d'achat. D'accord, très bien. Et c'est vrai que bon, maintenant sur le marché, l'airsoft est de plus en plus important. Tous ceux qui apprécient la marque Vernet Caron, d'autant plus cette année, année d'anniversaire, je peux avoir les tests. Est-ce que vous pouvez me donner un ordre de prix? Oui, elles vont entre 150 et 220 euros. D'accord. Donc selon les modèles. Et elles ont toutes d'ailleurs, je ne t'ai pas précisé, mais elles pèsent toutes autour de 3 kg, un peu moins pour les crosses satelliques, un peu plus pour la crosse bois. D'accord, très bien. Bon, donc pour tous ceux qui ont envie de se faire plaisir, de faire plaisir à vos enfants et de découvrir le tir, cette année chez Vernet Caron, c'est VCR. Alors, à vous.